sous la chaîne de Slaregaï. Clash de la drague en 30 minutes. Les méthodes, on les connaît, vous les avez un instant. Donc la méthode du trou qui fait mal pour Romano et la méthode de la panne d'eau pour Cédric. C'est ça. Je me disais, Cédric, l'histoire de la panne d'eau, ça m'étonne ça pas. Ça fait 6 mois. Ouais, c'est ça. Parce qu'on en parlait entre nous, parce qu'on discute entre nous. Et on s'est dit, Cédric, il a une odeur bizarre ces temps-ci. C'est bizarre, Cédric pue. Non, mais c'est pour le clash, hein. C'est pas en vrai. Non, non, mais bon, on a compris au moins. Non, mais il n'y a pas de soucis, Cédric. Maintenant, on comprend mieux. Ouais, on comprend mieux. Et là, ils vont nous faire rêver. Ah ouais, c'est le moment. L'heure du clash de la drague. Le clash de la drague, c'est parti. Alors, je rappelle les méthodes. La méthode, ta méthode Romano, c'est ma femme a mal au trou. C'est ça, et il faudrait que j'arrive à me finir, quoi. Sinon. Ah, j'ai trop mal après aux couilles. C'est vrai, ça, hein? Bah ouais, quand tu te finis pas, ouais, c'est horrible. Pourquoi ça fait mal aux couilles d'ailleurs quand tu te finis? Bah, je sais pas, le liquide, ouais, il doit être clair, de la pression, non? C'est de la pression, je pense. Tu produis. Bah, ouais, c'est ça, je pense. Hein. À ce moment-là, on est prêt à dégueuler de foutre, quoi. Bah, c'est ça. Oh. J'adore. Je vais faire du vomi de foutre, regardez. Oh, ah, il y a plein. Ah, bah, c'est gentil, bah, il se vide. C'est la purge. Et toi, Cédric, ta méthode, rappelle-nous là. Moi, je vais dire aux familles qu'il y a une panne d'eau chaude chez moi et que j'aimerais bien me doucher chez eux. Qu'est-ce que t'as eu, toi? J'ai manqué de me briser la cheville. Très bien. En montant sur une chaise pour récupérer ma coupe. Oui, parce qu'il est tout petit, il n'arrive pas à attraper la coupe. Donc il monte sur. C'est dingue d'être tout petit, hein, comme ça. Bah, tu veux que je fasse comment? Je vais pas sauter. Non, mais tu attrapes comment, ça? Bah, je peux pas, j'ai pas des grands bras comme des tiens. Des grands bras. C'est la coupe du clasher. Allez, que je remettrai au gagnant, là, tout à l'heure. On y va pour le premier coup de fil, Cédric. Ouais, ouais. C'est pour toi, top départ, ligne numéro 8. Allez, ligne numéro 8. Et qui... Jean-Marie. Jean-Marie. Ah. Eh ben écoutez, on commence. Oui. Allô Jean-Marie. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? C'est Michel au téléphone, un de tes voisins, on se connaît pas encore. Dis-moi, je t'appelais là parce que chez moi j'ai plus d'eau chaude et je voulais savoir si je pouvais pas venir prendre une petite douche chez toi. Ça va aller, oui. Bah histoire que tu me dépannes, quoi. Je viens avec ma serviette, mon gel douche, je prends une douche chez toi, puis après bah une fois que je suis propre pour te remercier. Hein? C'est qui vraiment l'appareil là? Non, bah je m'appelle Michel. Nicaise. Non, Michel. Nickel. Allô. Nickel. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah écoute, ce que je fais, c'est que je vais venir avec ma petite serviette, je prends ma douche et puis bah, pour te remercier. Ça tombe mal parce que moi je suis déjà couché, moi. Bah laisse-moi prendre ma douche chez toi, puis à la limite, si tu veux, je me coucherai avec toi après. Pour te remercier, je te ferai un petit truc. Bon allez, la bonne nuit. Bah je peux venir ou pas? Non, pas du tout. Bah laisse-moi venir. Allez, la bonne nuit. Tu feras de beaux rêves avec moi dans tes bras, tu sais. La bonne nuit. T'as pas envie que je te prenne dans mes bras? Je vais l'écraser. Hein? Allez, la bonne nuit, c'est Cédric. Il était super ce jour-là, c'est la bonne sympa. Tu l'as bien aimé ce Jean-Marie? Ouais, bah oui, t'es vraiment cool. Ouais, il faut pas se fier au prénom, hein. Ah ouais, très cool. Ouais, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Alors, Romano, à toi maintenant, c'est parti. Bon, bah voilà ma gueule. Numéro 7. Un petit commentaire? Allez, passe ton appel là. Bah, c'est ce que je vais faire. Tu vas faire un petit commentaire, Cédric? Non, tranquille, on fait les commentaires après. Dire c'était bien, tout ça, non? Bah c'était bien pour un tour de chauffe, ouais, c'était pas mal. Tiens, allez. C'est qui? Ludo. Ouais. Ouais, Ludo. Ouais. Ouais, comment vas-tu? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Tu te fous de ma gueule encore, toi? Non, mais je me fous pas de ta gueule. Parce que dis donc, j'ai un petit souci là. T'as perdu ton dentier, non? Non, j'ai pas perdu mon dentier. Non, il y a moyen que tu le perdes. Tu viens ici, tu vas te prendre un pain dans la gueule et tu vas le perdre. Bah ouais, mais j'aimerais te faire l'amour aussi. Ah ouais. Ouais. Et à ta femme aussi. Ah ouais. Ouais, moi je prends tout. Bah je peux ou pas? Ouais, tu peux venir. Bah je vais venir, et puis voilà, tu me goûteras ma quéquette, et puis après je te ferai l'amour à ta femme et à toi. Ouais, et à tout le monde. Ouais. Tout le monde. Bah je te dis à tout de suite. Oui. J'arrive alors. Allez, viens. Attends, je vais venir, et j'espère que t'es chaud, parce que moi je suis bouillant là. Toi t'es chauve, dis-lui. Ouais, vas-y, viens. Ouais, bah je vais venir, ouais, t'as des capotes, t'as tout ce qu'il faut? Vas-y, viens. Ouais, bah toi tu prends, c'est toi qui veux venir faire l'amour, bah tu prends. Ah bah je prends les capotes, la vaseline, et puis des graviers, parce que j'aime bien quand ça gratte. Ouais, parce que je gratterai les poils du cul. Ah ouais, tu me gratteras les poils du cul, tu me les arracheras avec les dents. Ouais. Ouais, tu verras, j'ai le cul tout sale. Ouais. Oh, tu es dégueulasse. Oh, le laveras. Eh ben, tu me le laveras avec ta langue. Ouais. Eh ben, je te dis à tout de suite alors. Oh. À tout de suite. Tu me laveras avec la langue. Voilà, t'es content? Oh, il est content. Je me fais laver le trou de balle. Pas cher, tu vois, pas besoin de douche comme Cédric. Tu vois une technique, Cédric? Ouais. Te laver, pas cher. T'as pas d'eau chaude. Bah, lèche-toi le cul. Alors, Romano, un petit commentaire, j'ai demandé à Cédric. Toi aussi, tu as droit à ton petit commentaire. Bah, écoute, franchement, pour un tour de chauffe, c'est un bon tour. Ah oui, pour toi, c'est pas mal, ouais. Cédric, mais qu'est-ce que tu arrives? On a tout le visage tout contrarié du visage. Non, même pas. Si, regardez. Ah non, je suis sûr que non. T'as la gueule en biais, ma gueule. T'es parano, ma gueule. Non, t'as mis la gueule en biais comme ça. Non, même pas. Bon,
Alors, on va. Allez, on donne un deuxième tour. Allez, vas-y. Combien vas-y. On donne deux tours en tout? J'en donnais deux, hein. De quoi? Deux, pas plus. Bon, on verra. On donc, ça serait ton dernier coup de fil, Cédric. Ça dépend de ce qui va se passer, j'ai envie de te dire. Bon, mais allez. J'espère comme sur le premier, ma gueule. Ah, bah non, j'espère pas. Je vais chez qui? Thomas. Ta méthode de Jacob Pitbox. C'est mal balé. Allô, bonsoir, c'est la femme à Thomas? Comment? Thomas, il est là? Oui, je suis sa femme. Ah, tiens, tu peux me le passer, s'il te plaît? Bah, c'est de la part de qui? C'est Michel au téléphone. Et c'est qui? Bah, je suis un de tes voisins, en fait. On se connaît pas, mais juste pour lui dire, j'ai une petite galère là avec ma douche chez moi. Et je voulais savoir si je pouvais pas venir avec ma serviette et mon gel douche chez vous ce soir. Oh non. Histoire de me rafraîchir un peu, tu vois. Non, c'est pas la peine. Et puis après, une fois que je sortirai de la douche avec mon corps bien musclé et bien propre, je pense que tu vas craquer sur moi, ma chérie. Oui, c'est ça. Bah, je te jure. D'accord. Bah, laisse-moi voir avec Thomas alors. Non, c'est pas la peine. Moi ce soir, j'ai envie de me laver chez toi et de te faire l'amour après. Oui, bah, il vous adressera quelqu'un d'autre. Bah, voilà. Je m'adresse à toi, ma chérie. Oui, bah, c'est ça. Chante, tu as envie que je te fasse l'amour. Laisse-moi venir te faire l'amour. Raccroche, hein. Je viens de faire l'amour ou pas? Voilà. Non. Non, je crois que c'est non. Aïe. Mec, moi, elle était... Non, mais elle était très sympa puisqu'elle t'a annoncé qu'elle allait raccrocher. Oui, trois fois. Je raccroche. Trois fois. Je raccroche. Un commentaire, Cédric? Ah, bah, elle raccroche. Voilà. Très bien. Elle raccroche. Toi aussi, tu devrais raccrocher, ma gueule. Bon, Romano, deuxième coup de fil, allez. Allez, vas-y, c'est qui? Johan. Tu gardes la méthode de ma femme à mal au trou. Ouais, bah là j'ai même pas eu besoin de la mettre en place sur le plan. C'est pour ça que je te demande. Allô, Johan. Ouais. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Ça va, c'est Jean-Louis à l'appareil. Dis-vous, allô? Ouais. Ouais, tu m'entends bien? Ouais. Ouais, ta femme elle est chez toi là ce soir? C'est Jean-Louis? Ouais. Ben je crois que vous êtes trompé de Non, mais t'as une femme? Non. T'as pas de femme? Non. Eh ben ça tombe bien ça. Parce qu'en fait, je t'explique, moi là j'étais chez moi en train de faire l'amour avec la mienne. Et là, elle a un peu mal au trou, là. Ah bah oui, tu l'entends, elle gémit. Et en fait, j'aimerais venir chez toi pour me finir dans les tiens de trou. Ah. Je peux venir me finir dans tes trous. Ah, qu'il est con. Ouais, c'est qui? Non, Jean-Louis à l'appareil. Et okay, ce que je te propose, c'est que j'arrive dans 5 minutes chez toi. Ouais. Tu te mets à 4 pattes dans l'entrée. Et on y va, on attaque, quoi. On perd pas de temps. Ah, c'est trop bon. Et puis après, on fait connaissance. C'est trop bon. Ah oui, ça va être bon. Ouais. Bon, bah, tu m'attends dans 5 minutes. Ouais, attends, t'as le code? Bah, écoute, je vais le prendre. Alors, c'est le 30. Oui. Ouais, c'est bon. Bah, c'est... Et donc, tu au deuxième? Ouais, bah oui. Quand tu prends l'ascenseur, c'est l'ascenseur. Ouais, d'accord. Et moi, c'est au fond du couloir à gauche, le numéro 20. Voilà, oui. Ah bah écoute, c'est très... Bah écoute, je suis là dans 5 minutes alors. Dans 5 minutes? Okay. À tout de suite ma poule. Bah à toutes. À toutes, salut. Bisous. On a jamais eu ça dans le flash. Et là, c'est pas assez rage, quoi. Tout. Le mec, j'ai le plan, le mec m'a fait un plan GPS. Ah mais il y a total. Alors attention, le code. Ça c'est bon. Wow. Mais vas-y, pour de vrai. Ouais bah ouais, bien sûr. Voilà, il est trop loin. Non mais il est trop loin. Bah tu vas passer la nuit à Lyon. Chez le monsieur. Ah, on est à Lyon. Oui. Ah bah tiens, écoute, sympa. T'as donné l'adresse et tout. Putain, ouais. Wow. Bon bah là, je crois qu'il m'attend et pour de bon, quoi. Jamais on a eu ça, l'adresse, le code. Ah non mais j'ai halluciné, je pensais que le mec il allait dire n'importe quoi, mais non, il était pas du tout. Il t'attend. Le mec il va. Là il est actuellement, il est étage. Il est à 4 pattes là actuellement. Étage, des numéros de porte. La porte, tu te trompes pas de porte. T'as pris pour un connard et t'as donné le numéro de la porte du voisin. Bien joué, bravo. Qu'est-ce que t'en sais, ça? Ton casque est peut-être un peu trop fort, Romano. Voilà. Ah pardon. Je vous rappelle que Romano est sourd. Non, mais je vais demain me faire déboucher sourd. Les oreilles. Ah, très bien. Ça y est, j'ai rendez-vous demain. Demain, il sort le gros matos, l'ORL. Ah ouais, t'entends vraiment rien. Quoi. Ah non, mais putain, mais non, mais tu sais que ça me gêne vraiment. Hein. Je ne vais pas me plaindre tout le temps. Non. Mais je veux dire que c'est vraiment chiant quand t'as une oreille bouchée, quoi. Oh là là, impressionnant ce clash. Ah là, vraiment, là, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là? Oh non, c'est tellement beau. Oh non, enfin, un autre tour. Ah oui, pour toi, c'est pas beau dément. On peut faire un autre tour, là, allez. Hein? Bon allez, vas-y, peut-être un petit là. Allez, pour la route. Romano accepte, il est bien bon, je trouve. Non mais bon, on peut faire un tour. Hein. Allez, enfin, dernier tour. J'accepte des autres tours moi aussi. Sébastien. Dernier tour. Allez, on va chez et après, on passera au vote. Hein, et vous passerez aux déclarations. Vous ferez votre belle déclaration, Romano et Cédric. Hein. Qu'on appelle Cédric. Chez Sébastien. Sébastien, bonne chance. Allez, décroche Seb. Oui. Voilà. Ah ouais, parfois t'as la loose. Hein. Allô? Allô, c'est bon, bonsoir, c'est la femme à Sébastien? Allô? Ouais, Seb? Ouais. Ouais, comment vas-tu? C'est qui là? Bah, c'est Michel, je suis un de tes voisins. Dis-moi, je t'appelle là parce qu'il m'arrive une petite galère à la maison là, j'ai plus d'eau chaude.
Et j'aurais aimé savoir si je pouvais pas venir avec ma serviette et mon gel douche histoire de me laver chez toi. Tu pourrais me dépanner au moins. Allô, Sébastien. C'est ma gueule ou quoi là? Bah non, il m'ouvre pas de ta gueule. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est une fois que je sortirai de la douche et que je me serai séché avec ma serviette, si tu veux, ta femme, elle pourra me frotter le dos. Histoire qu'elle devienne me sécher. Ouais, puis moi, je mets mon balai dans ton cul, moi. Ah bah, si tu veux me faire un truc au cul, y'a pas de souci, tu sais. À la limite, vu que je serai nu, on pourra même faire l'amour si t'as envie. Parce que je sens que ta femme, elle va craquer quand elle va voir mon corps d'athlète. Eh bah, bah écoute, si t'as envie de me faire ça, y'a pas de problème. Aïe aïe aïe. Ah, elle a envie de m'enculer. Ah, ouais. Bah, non, non, bon, c'était moi. C'était non, mieux. Mais t'as dit, va te faire enculer. Bah, l'autre, tu veux mettre un balai dans le cul, excuse-moi. Non, mais c'était. Écoute, c'était oui, par rapport à ce que t'as fait avant. Bon, l'autre, gros, oui. Il veut me faire un truc par l'anus, il a le droit, non? Eh bien. C'est son envie, il fait ce qu'il veut. Cédric, on a bien fait de passer un troisième coup de fil. Bah, moi, je vais quand même prendre le mien. Tu prends quand même, j'ai de te demander si tu le prends. Ouais, ouais, moi, tant que c'est gratuit, je prends. D'accord, c'est gratuit, tu prends, c'est parti. Dernier coup de fil. Qui essaye de faire aussi bien, Romano, d'avoir l'adresse, le code. Ouais, ouais, bah, attends, c'est peut-être pas tous les coups non plus. Hein. C'est qui? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, c'est la femme à Mickaël. Pardon? Oui. Oui, il est là? Oui, c'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis. Une vieille connaissance. Oui. Merci bien. Allô? Allô, Mickaël? Oui. Oui, comment vas-tu? Ça va, mais c'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis à l'appareil. Là, j'habite dans le quartier, là. Et en fait, je voulais te demander un petit service. Oui? Oui. En fait, je t'explique, là, j'étais en train de faire l'amour avec ma femme. Et elle a très mal aux orifices. Et là, j'ai pas réussi à me finir, donc je voulais venir chez vous, voir avec vous deux, si je pouvais pas. On pouvait pas faire un petit plan tous les trois, quoi. Bon, je crois qu'on va arrêter là les bêtises. Non, mais je vais venir, hein, quand même. On va arrêter là les âneries. Non, moi je vais venir dans 5 minutes là. Ouais, bon, allez, c'est parce bon, que j'ai très mal au sexe. Allô? Mais décidément, ta femme a mal au trou, tu as mal au sexe, mais que se passe-t-il, Romano? Tout le monde a mal dans la famille. On a mal, et mal. Oui. Je crois qu'il t'a mis mal, le on mal. On passe aux déclarations et on va passer allez. Au vote. Les déclarations du clash, Cédric. Allez, vas-y. Tu commences. Romano, t'enchaînes. Attendez pour voter, hein. J'ai pas donné le top, je donne le top dans un instant, mais place tout de suite à ces toujours très belles déclarations. Vas-y, Cédric. Allez, musique. Alors moi ce soir j'ai fait appel aux familles parce que j'avais plus d'eau chaude chez moi pour me doucher. Et la dernière famille était très réceptive. Sébastien me laisse prendre ma douche chez lui. Après il veut mettre un truc dans les fesses et après bah, il a envie de m'enculer. Donc pour ça n'hésitez pas à vous laisser Cédric. Je lui ai dit que j'allais lui faire l'amour à lui et à sa femme. Et je peux continuer de parler s'il te plaît? Vas-y Cédric, vas-y, vas-y. Non mais j'y crois pas, non mais vraiment. Ah bah nous non plus on n'y croit pas. Bah t'as vu un peu. C'est dingue. Dites-nous à ce point là. Ta gueule. Ça va t'aider life. Vas-y, vas-y. Donc pour ça n'hésitez pas à voter Cédric, CEDRIC 41759. Je compte sur vous tous et vous toutes. J'aimerais bien gagner ce clash ce soir. Donc voilà, je compte sur vous. Merci beaucoup, je vous aime très très fort. N'hésitez pas à voter Cédric. Merci Cédric. Très bien. EDRIC. Qu'est-ce que tu veux chanter Romano avant ta déclaration? Allez Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Mais tu veux chanter il faut voter Romano ou Romano, il faut voter Romano? C'est bon ou... toi là Ouais, je peux peut-être en chanter deux. Non, il faut choisir malheureusement. Bon allez, tiens, sur les pas chers remix là. Alors, les pas chers remix. Attention. C'est parti. Vous pouvez faire poupou, hein. Il faut voter, voter Romano. Poupou. Ah pardon. Il faut voter, voter Romano. Okay, il faut voter, voter Romano. Il faut voter, voter Romano. Ah, filou. Très bien. Bon, déclaration bon, alors. Alors ce soir, mes amours, moi je vous annonce direct la couleur. Bon, Cédric, ce soir vous a proposé une méthode qu'il a bien déjà fait 10 fois et qui n'a jamais marché. Jamais. Moi ce soir, je suis arrivé avec une méthode inédite. Et la méthode inédite a fonctionné dès le premier coup de fil. Je suis invité, le mec m'attend, on n'en pouvait plus, il me disait viens. Il va s'occuper de moi. Bim, gravier dans les fesses, je fais l'amour à sa femme, ça va être la folie. Et sur le deuxième coup de fil, c'était magique. Là j'ai serré, comment il s'appelait, Mickaël je crois, je crois. Le mec en lui c'est plus fort que tout. Le mec il m'attend à 4 pattes. D'ailleurs dans son on nous entrée. Signale qu'il est en position, hein, ça y est. Mais bien sûr. À 4 pattes dans son entrée, le mec m'a donné son adresse, ouais, le numéro de porte, l'ascenseur, le digital. Ah bah la totale. Je pense que c'est la totale. La gueule, truc, hein. Il m'attend. Eh bien pour tout ça, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Eh bien moi j'ai une idée. Il faut y aller Romano. Faut y aller. Bah chez lui. Ouais, ah t'as ouais. raison. Ce week-end, tu passes le week-end chez lui. Ouais, à me faire péter l'oignon. Ah, merci à te faire l'amour. Mais oui, vas-y Romano, vas-y. Voilà, on va voir si t'as vraiment serré. Ah ouais. Ça, on pourra vraiment vérifier. Ouais. C'est clair. Bon, les résultats du clash arrivent dans moins d'un quart d'heure sur Skyrock. Qui va gagner le clash de ce soir? Moi, je ne sais pas, mais on ne sait jamais. Bah moi, j'espère. Sly Guy.
Et pour bien démarrer le week-end, un beau clash de la drague. J'ai les résultats du clash de ce soir. Vous avez voté et ça c'est bien sympa d'avoir voté. Je vous donne les résultats de ce clash collector. Vous aviez voté à... Je vous donne les résultats, mais vraiment tout de suite. Ouais, allez, alors, vas-y, balance. Ouais. Alors, vous aviez voté à 84% pour Cédric. Ah non. Ah ouais. Ou Romano. Mais qui a fait 84%, un gros, gros score? Alors, c'est toi, Romano. Qui lui est mis dans le cul. Ouais. 84. Ah ouais. Oula. Et t'aimes ça. Tu vois, un week-end difficile, Cédric. Un week-end plein d'hémorroïdes. Ouais. Ah, je sens qu'il va me saouler, lui, là. Bon, la spéciale qui continue en ce vendredi soir. Bon, le clash était super. Retour du clash lundi. Et tout de suite, c'est parti. On y va, on va retrouver donc les trucs.